poisson. Il est 8h le matin et je suis à Perrusson. Il y a certains villages que j'aime juste pour le nom. Saint-Sennoc, Brachet, Perrusson. C'est des noms qui ont du chien. Alors, Perrusson, c'est sur la route principale entre Loche et Châtillon. Donc c'est coupé en deux par cette route très fréquentée. Mais n'empêche que c'est un très joli village avec un paysage de toute beauté. Aussi, c'est collé contre Loche, donc vous avez tout ce qu'il faut en termes de commerce et on pourrait aller à Loche dans 10 minutes, 15 minutes à pied. Il n'y a pas de problème. Derrière moi, il y a l'église de Perrusson. Il y a des parties qui datent du 6e siècle. C'était le cas, c'est le cas partout, que quand quelque chose tombe en ruine, on utilise les ruines pour fabriquer les nouveaux bâtiments, les nouvelles constructions. Et c'est le cas là, dans cette église, parce qu'il y a des plaques qui proviennent d'une villa gallo-romaine qui sont intégrées dans la structure de l'église. Et encore plus intéressant, ils étaient en train de réparer le plancher dans l'église quand ils ont trouvé deux sarcophage qui date de l'époque mérovingienne. Et dans un de ces sarcophages, il y avait le corps d'une princesse. Elle était habillée, chaussée, et elle portait un diadème au fil d'or. Qui c'était? On ne sait pas, mais c'était quelqu'un de très important, une princesse d'une autre époque. En parlant d'une autre époque, il y a un écrivain, charpentier écrivain de Perrusson, début 20e siècle, qui s'appelait Maurice Mardel. Et il a écrit un texte très joli sur la vie ici à Perrusson, en début de 20e siècle, il y a 100 ans. C'est un texte pour moi qui résume ce que c'est la beauté de la vie rurale en France ou ailleurs. Et pour lui, c'était dans le passé, évidemment, c'était début 20e siècle, mais c'est aussi ce que la vie rurale pourrait être. Je pense que je vais appeler ça la possibilité d'une Perrusson. Et voilà. Il vient juste de sonner 8h. Marlo et moi sont relativement matinales et on va partir sur une promenade qui va faire 12 km, je crois, tout autour de l'ouest de Perrusson. On y va. Voici le texte dont j'ai parlé de Maurice Mardel, charpentier écrivain de Perrusson. Peut-être même aucun d'entre eux ne connaît le pays de Perrusch. Pourtant, c'est le plus beau du monde. Au creux des vallons paisibles, des trois ruisseaux flânent à l'ombre des vergers et des saules. Et sous les racines se cachent les écrevisses. Le vent vous y caresse à tout va, ou plus vous taquine. Les angelus y teintent clair dans les clochers pointus. Les tuiles y sont russes, les pierres blanches. Des paysages agrestes, sans rudesse et tranquilles, sans monotonie. Des logis accueillants avec le bas des portes clos sur l'intimité familiale et le haut grand ouvert à l'air du dehors. On y rencontre de belles filles brunes et russes qui vous sourient volontiers. Il y a de bons vins dans les caves, du froment lourd dans les greniers, des fruits juteux dans les placards, des glycines et des roses contre les murs. Il y a de la gaieté
à tout bout de champ. C'est un coin de Touraine, en vraie France. Voilà, ça c'était il y a 100 ans. Et comme on dit, le passé c'est un pays étranger. Ils font les choses différemment là-bas. What do you think, Marlo? J'ai un ami qui dit qu'il n'y a pas de maison abandonnée en Touraine. Mais on dirait que si. Ce qui voulait dire que c'est qu'il y a toujours un propriétaire. Ou c'est en indivision, ou il y a une histoire derrière l'abandon apparent de ces magnifiques fermes d'autrefois. N'est-ce pas, Mara? N'est-ce pas? Là, c'est inaccessible, mais il y a des énormes grottes là, creusées dans la pierre. Mais il y a aussi une forêt d'orties à traverser. Et je ne suis pas assez courageux. It's a decoy duck, Marlo. It's not a real one.
T'arrêtes. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Bien. Oui. C'est nouveau. Allez, je suis là. On y va, Mareux. Allez, vous promener. On va. Allez, bon, je vais vous dire bon courage. Hein, puis... Merci. Fly keeps landing on your nose, Marlowe.